Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Je vais trancher ici sur cette question. La variance d'une variable aléatoire x est égale à 0,5, alors la variance de 4x plus 5 égale. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est que la variance, d'accord, de ax à plus b, d'accord, est égale à a carré, variance de x, tout simplement. D'accord? Eh bien, ici, v de 4x plus 5, donc ça fait 4 au carré par variance de x. Donc 4 au carré, c'est 16, par variance de x, qui est 0,5, donc ça fait exactement 8. Eh bien, on va démontrer pourquoi. D'accord? Variance de ax plus b égale à a carré de x. Eh bien, rapidement, eh bien, par définition, la variance d'une variable aléatoire est égale à l'espérance du carré, d'accord, moins le carré de l'espérance, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit, ou bien on peut aussi le carré, alors la moyenne du carré, moins le carré de la moyenne. C'est la même écriture. OK, eh bien, maintenant, si on veut variance de ax plus b, eh bien, variance de ax plus b, ça va faire ici, tout simplement, l'espérance de ax plus b est tout ceci au carré, l'espérance du carré, moins le carré de l'espérance, e de ax en plus b, tout ceci là au carré. Donc c'est ça que nous écrivons ici, eh bien, on va développer ça. Ça va faire l'espérance de a carré, x carré, a plus b au carré, hein, plus 2ab fois x plus ici b carré. Voilà, et puis moins ici. Là, il faut d'abord utiliser la linéarité de l'espérance. Donc, ça va faire a de l'espérance de x et plus b. D'accord? Et tout ceci là au carré. Encore, en utilisant la linéarité de l'espérance, ça va nous donner ici a carré, l'espérance de x carré. OK? Et ça va nous donner ici, ce sont des constantes ici, ça va nous donner 2ab, espérance de x. Et puis, l'espérance d'une constante, c'est encore l'espérance. Et c'est égal à la constante. Donc, ça va faire b carré. Ça veut dire, si je veux l'espérance de 3, l'espérance de 3, c'est 3. L'espérance de 4, c'est 4. Vous voyez? C'est ça exactement. Et puis, là, on développe, il y a un moins. Et a plus b au carré, mais il y a un moins, on va totalement distribuer. Donc ça va faire a carré, d'accord? L'espérance de x, tout ceci là, au carré, d'accord? Moins 2ab, d'accord? Espérance de x, ça fait moins 2ab, l'espérance de x. Et puis, b carré, on a b au carré, on a un moins, ça va faire moins b carré. Et bien, tout ceci nous donne quoi? A bien remarqué, et ces choses-là se simplifient rapidement de l'expression ça et ça se simplifie, ça et ça se simplifie, et maintenant nous avons la présence du a carré partout, donc ça nous donne et la variance, ok, ça nous donne la variance du x, d'accord, ça nous donne la variance, alors bien entendu, la variance du ax et en plus b, ça fait, il y a a carré partout, donc ça va faire a carré facteur de l'espérance du carré, d'accord, moins ici l'espérance de x, tout ceci là au carré, et nous fermons. Donc vous remarquez, ça c'est la définition de la variance de x, et c'est ça, d'accord, ça c'est exactement ça que nous avons là. Et bien ici, d'où variance du ax plus b, ça fait a carré, d'accord, variance de x. Tout simplement, d'accord? Ce que j'ai utilisé ici, d'accord? Variance d'une fonction affine ici. Donc, on fait sortir par carré, d'accord? Et par variance de x.